Nous sommes de retour pour l'épisode 26 de Red Dead 2, le meilleur jeu du monde. Avec Arthur Morgan, le meilleur personnage. Merci la douceur pour le subgift au Talkstone. Et merci bien. Ok. Ah, on est à côté de Rhodes. Comment c'est que c'est visible l'aquateur hein? C'est quoi ça? Camp d'internement de Fort Riggs. C'est le truc dont nous avait parlé l'homme totalement rebou là qui est mort dans l'eau. C'est-à-dire il y a des trucs à faire là-bas, incroyable. On a une prime à 200 boules aussi là. Enfin 300. C'est insupportable ça. On a de la biche à prendre. Et il y a une panthère ici à aller prendre aussi. Là. Quelle heure est-il dans le jeu? Ah là là, je crois que... Le brave artilleur nous avait dit que ça serait que vers 13h, mais allons-y, on va voir. Hein. On va checker. Je sais même plus... Je sais même pas avec quoi il faut que je tire pour l'abattre le bazar. Ah. Howdy. What I'd give for a horse as fine as that. Thanks. Anyway, how's it all going for you? Okay, well, don't let me keep you. Bye now. Pas trop envie de discuter, lui. Non, même pas. Il y a des coups de feu là-bas. Eh oui. Ils sont où les mecs? Il est en cage le bazar. Attends, mais c'est des représentants de la loi là qui viennent de tuer? Non.
Ah oui, voilà, non, c'est les pillards, moi, que je suis venu défoncer. C'est eux qui ont tué les représentants de la loi. Les bâtards. Mais je prendrais pas des V-Bucks, je sais pas comment je vais faire, mais je prendrais le pass de combat pour Metal Jouir solide. Quand ce sera les défis. Et du coup, on en fait quoi là de celui-là? Your men are gone. You ain't all that scary locked up in that wagon. Oh, you think you're better than me? You're a killer. Why don't you stop squawking and save me shooting you too? Ouais. Surtout ceux qui détestent Fortnite de base. Et qui après s'y mettent et voilà. C'est pire. You think this makes you a hard case? Huh? Glad to be out of there. Guess we about even. You stay out of Lemoyne. Ah ouais. Il a cru au Père Noël, lui. Je le libère et il dit même pas merci. On est quitte et reste pas dans le coin qui me dit l'autre. T'as raison, toi. Odin is with us! Il y a quelqu'un qui a rejoint l'armée quelque part. Je sais pas si c'est sur YouTube, parce qu'on n'a pas l'info là ici. Là. Merci pour le follow, hein, en tout cas. Hein. C'est pas d'où, mais. Donc le bazar, j'imagine qu'il est censé être sur ces arbres-là, là. Le... Oh là! Ah merde. Je pense que pour la panthère, je vais retourner près de Valentine's. Après, c'était peut-être pas une panthère qu'il y avait à côté de Valentine, mais je me souviens que près d'un canyon, une fois, j'ai entendu un truc qui y ressemble, quoi. Ici, y a rien. Après, on n'est pas à l'heure qu'il faut, ce qui paraît, donc. There we go. Lièvre. Nouvelle herbe inconnue. Sauge de colibri. Let's go, girl. Toi, on va te pister. Gardons la biche.
Putain, mais ça s'est mélangé. Et voilà, moi je veux la biche, moi. The fuck, c'est quoi cette maison? Merde, ça s'en sert. C'est assez long là, et elle a couru très très loin là, cette biche. Oh, le travail. C'est une blague. Comment ça en mauvais état? C'est pas la bonne. C'est une blague, hein. Elle fait un cercle. Elle s'est rebarrée. C'est une blague ou quoi? C'est une putain de blague. Bon, je suis curieux là, de la maison là que j'ai vue là tout à l'heure. Et d'aller voir ça. J'ai vu les graisses. Hein. Hola, monsieur Raiden. Comment qui va? L'oncle Ben Raiden. Flipper cette baraque là. Tranquillou, hein. On essaye de chasser.
morceau de journal. Récompense de $100. C'est enfui chez le scrupuleur dans la nuit, hein, hein. Se faisant passer pour Curtis, voilà, on va pas lire. Confiance robuste, environ 27 ans, et mesurant, hein, se peigne les cheveux et les mains du cou. Tout refrenier, il répond rapidement quand on lui parle. Elle a pris pour la prison de Rhodes et ma propriété. Shady Bell à Scarlett. Ah, mais ça date de 1859, ça. C'était il y a longtemps. Je sais pas comment ils appelaient, j'ai pas réussi à lire. Pas réussi à lire bizarrement. Oui bon bah c'est bon. Pourquoi il fait nuit d'un coup ici là? Ah! Oh! What the fuck? Photographie de famille. Mais du coup, ça va, merci Raiden. Seigneur, mais quand on était dans le coin tout à l'heure, c'était le début de journée, maintenant ça y est, il fait nuit. Ok. Ouais. Ok, ça a l'air d'être chez les gens, ça. Donc du coup, normalement, le... La panthère devrait être dans le coin là. Est-ce que je dormirai pas? Histoire de l'accueillir le matin. Je pense, hein. Vous aider, madame. Go on. Go on, you got it. Oh, thank you. Yeah. I don't know what I would have done if you hadn't come by. No problem. My been stuck there forever. Oh, Moses. Moïse. Poor baby. Salut mon pote. Hein. Would you like a ride home, ma'am? Oh, thank you. You're a good man. Right. Could you take me to Saint-Denis? Oh, oui. I know. No problem. Oh, oui. Yep. Okay, girl. Eh ben, on va aller early à Saint-Denis. Incroyable. C'était pas prévu. You're a real angel, you know? Two men gone by not long before you did and just
kept right on going. Yeah, that ain't much surprise. I don't know what I'll do now. Très gentil, ces gens-là. I've been saving for a month to go visit my father. Now he'll just be waiting on me. That's tough. But at least you're alive and walking. Sure your father will be happy about that. I headed out this morning to see my father, but I heard some of those damn raiders off ahead and tore right through some thick brush. Poor Moses twisted his leg. We went on as long as we could, but he gave out right where you found me. Yep. Terrible. We just weren't meant for that kind of ride, and I just got scared. Sure. Why are you riding like this? Sounds like you did the right thing, even if it cost. Guess I'm lucky my leg didn't break in the fall. My cousin Lucy broke her arm. They did her up in plaster of Paris. You don't say. One night, some real fancy-looking feller got curious about that plaster cast. Said he wanted to know what it felt like. Guess he got too curious. Poor Lucy was hollering all night. Her arm never did heal straight. Anyway, Quel gars cool. My leg ain't broke as all. Sorry, I'm talking too much. Still too shook up. Well, that's all right, ma'am. You're safe now. Eh bien, Saint-Denis. Qui aurait cru qu'on aurait été dans la ville si tôt dans le jeu? I'm over on the eastern side. Head toward the big cemetery. Look at all this. They say this is what the future looks like, and I say it's filthy. You know, I like to watch the boats sometimes, but there stinks from them towers. Guess I should get used to it. It's the future and all. Stylé quand même comme première approche avec elle là. J'aime bien. Neither, mister, but what can we do? We just two people. Ain't it pretty round here? Mansion district. Feels like a different world. I tell my father, someday we're all gonna live here. He laughs at that. All these buildings and new ones every day. Can't imagine what it's like living this fancy. Waking up in a house that big. Imagine having all that money in your pocket. Trust me, ain't all it's cracked up to be. If you say so, mister. Looks like home. We're close now. Thank you. I really love that horse. Poor baby. He liked carrots, you know? He'd eat them right out of my palm. He knew me by the sound of my voice, he did. It's always hard losing a good animal. We're here. I'd still be stuck there if not for you. Thank you again. Just glad I found you. You really don't. Well, thank you. Qu'est-ce qu'elle nous a offert? J'ai l'impression qu'elle nous a attendu quelque chose. Finalement, ça a juste monté l'honneur, pardon. Ouais, bon, en tout cas ici c'est le bordel. Je sais pas si j'ai envie d'interagir tout de suite dans la ville.
Cassons-nous d'ici, là. Stranger's got a cough up pavement. Get down from there. You hear me? I'm done being kind. Last warning. Despite what you seem to think, I ain't one for charity. Et où cet enfoiré de troisième là? Putain de merde, ils étaient 4. Faut que j'aille contribuer là en donnant des objets là, à ramasser là depuis le temps là. J'ai fait quelques affrontements ces derniers épisodes et je suis pas allé donner au camp. Détacher l'autre. Allez, cassez-vous. Le bâtard. Casse-toi. Casse-toi. Voilà. Et il faut toujours qu'il flotte, moi. C'est dingue, je suis maudit. Maudzette. Putain, on est au bayou. What the fuck? Cassons-nous d'ici. Qu'on retourne là-bas avant qu'il soit 13h. Et 4h, on aura même pas le temps de pioncer, je pense. Ça servira à rien. Un feu de camp. Hi there, mister. Hey, mister. Morning, partner. Not too bad a day for this place. Ain't worse. Whoa, whoa, what the hell are you doing here? Get the hell away from me. Don't mind me. Ça y est.
Ok, je reconnais le terrain. Hey yo, gros chat, comment on va? Oui, je sais pas si c'est vous qui voyez, hein. Moi, gros chat, chat balance, ouais, ça me va, hein. Ça, très bien également. Merci, Bing. On cherche la panthère là qui est censée être dans le coin, mais ouais. Yep. Okay. Je pense que je vais finir aller par regarder la map sur internet pour voir où est-ce qu'il y en a un autre endroit où est-ce qu'il pourrait y en avoir une. Parce que ici un peu de mal là personnellement là. Oh, il y a un feu de camp. Une biche. Un gros félin. Ça a l'air d'être ça, non? Par contre, j'ai pas trop réfléchi, hein. J'ai vu que s'approchait, a tiré en plein dans le coin, non. Je sais même pas si c'était bon, ça. Parfait état, mais c'est incroyable. C'était la panthère, c'est nickel. Revenez, revenez, s'il vous plaît. Dans 19 jours, apparemment, je pourrais changer. Sinon, je fais un autre compte. C'est vous qui voyez, hein. Et viens là, connard! Mais quel abruti! Ça c'est dommage ça d'avoir perdu le mot de passe de votre compte principal. Ça bien dommage. Allons tout de suite au camp. Tout de suite. Get these shackles off soon. I'm gone. Please. Ah
bouge plus. Mother God! Mais donne pas de récompense, pas de merci, rien. Chabalon, ça va, après je parle pas. Je vois. Mais c'est quoi cette merde? What? Putain, mais je vais jamais pouvoir la rendre, cette putain de panthère. Ça, Merly Poppet, c'est le même truc qu'il y a à côté de Valentine's. Elle est où la... Ah bah. Ça fait deux fois. Deux. Tiens. Allez, on se casse d'ici. Récupérer le dernier morceau de la carte pour résoudre le mystère. Alors, on va essayer. Hein. Le meurtrier de Valentine's. Je vois sur un chat où il y a beaucoup de gens, c'est compliqué de pouvoir communiquer avec les gens. Très souvent ça spam, mais il y a très peu de vraies conversations sur les chats où il y a beaucoup de gens. C'est terrible. Pas de soucis, hein, gros chat. You there? Yeah. Would you watch my cargo here while I go find someone to deal with this? Seigneur, la dernière fois qu'on a accepté, on a attendu 107 ans. Thank you, sir. Oh là là, mais j'ai une peau parfaite à donner, hein. Mais il va jusqu'où comme ça, le type? Fout notre gueule, lui. Mais il marchait là? Il a disparu, le type. C'est une blague. Il était là, il a marché là et il est passé à travers le... L'arbre, et ça y est, il a disparu tôt, l'autre.
Et chercher des gens là-bas, je sais pas. C'est chelou, hein. Terrible. Pas assez cher. Profiter pour entretien. C'est long, hein. C'est long, messieurs. C'est lui. L'autre, il marche à la cargaison. C'est lui ou pas? Monsieur. Mister, you need to get lost. Oh. Just calm down. Je comprends pas trop le but de ces événements-là. Là. Ça nous demande de surveiller, on est là. Le bazar, il a disparu là-bas. C'est long quand même. Hein. Ah ouais, j'ai plus d'huile. Super. Bon, bah écoutez, c'est trop long hein, ces trucs-là. Hein. Comment ils veulent qu'on reste ici, je sais pas combien de temps. Il n'y a aucune activité à faire en attendant, en plus, c'est... Ça donne pas envie, hein.
J'ai plutôt l'impression que ces trucs-là, c'est des événements en plus pour renforcer le côté gangster, enfin gangster, bandit, plutôt l'autre, il lâche des Maltesers pendant qu'on, pendant que t'as envie de être en low honneur, quoi. Tant que tu ramènes comme ça, au pire même tu le butes, tu le voles et voilà, ça te fait du low honneur. Mais là, quand t'as envie d'avoir un high honneur, t'es là, t'attends comme un con, y a rien qui se passe. Il pourrait y avoir des gens qui attaquent et essayent de dévaliser le bazar à ta place, mais non, y a rien qui se passe. On se fait chier. Salam, hein. Cet arbre là-bas, il me donne envie. Il est tout seul en haut. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui se passe là-bas. Suzanne nous a laissé une récompense. Hello, Mr. Strauss. Always good to see you. Room here by the fire, Arthur. I robbed a fella. And I was gonna rob a lady, but she began to... Haven't received anything from you in a while, Mr. Morgan. No. All right, dude. Says she needed the money. Her son had lost his leg in the war. Mm-hmm. No doubt, but she was old. Can't wait. She feels bad for the war. I don't think she caused it any more than I did. Many thanks, Mr. Morgan. She was just a woman. How are you on space in that bag of yours, Mr. Morgan? Ah, du coup, j'avais ramené une biche. Nice. Voilà, on a une craze. Nice. Du coup, maintenant, pour les provisions, il nous faut encore une biche, un bison et un raton laveur. Je vais mettre ça au top de mes notes. Faut toujours de la biche, hein, c'est terrible. Bison. Et raton laveur. Je crois qu'on avait déjà cherché à en avoir un jour, je sais plus. Biche, bison, raton laveur. Quatre sangliers. Bon, on trouve ça où? Ça du bois d'original. Moi, je pense que les quartiers, tout ça, je m'en occuperai plus tard, mais les sacoches, c'est le truc le plus utile, hein, je pense. Hein. Donc, allons-y. Donnons du fric. Il y a des points noirs là. Sur... Hey, Lenny.
Ah oui, c'est les trucs pour aider, c'est bon. Morning, Arthur. Allons-y. Hi, Marley. Ah, déposons les dettes. Un milliard d'objets. J'ai pas fini, mais si, hein, j'ai pas fini, moi. Seigneur, pourquoi il nous laisse pas terminer ça? C'est insupportable. Pourquoi ça coupe? Odin is with us. Et merci pour le follow, Silver. Et bienvenue. Riley. Du coup, c'est votre pseudo, gros chat, c'est ça? T'as du mal, hein? Alors voilà. Ok. Non, ça va. C'est Riley, ça me va. Ouais. Silver Riley, ça va. On va voir, très bien aussi. Le Watchman. Je vais prendre ça. Bah, c'est comme Ben. Quoi, tu l'appelais Raiden. Alors qu'il n'y a plus du tout Raiden dans son pseudo. Ok, maintenant, il nous faut un max de thunes. Hein. 300 boules pour les chevaux. 450 pour le bateau. Pour le bateau, ça pourrait être pas mal, parce que j'ai envie d'explorer les petites îles, là. Il y a un milliard de trucs à explorer là-bas. C'est qui là? C'est Molly. Non, c'est Mary Bess. My lady. So, you ain't bored of this place yet? I guess not. All things considered, it ain't that bad. Sure. On croche pas dessus, hein. Ça fait deux photos pour le prix d'un. Hein. À chaque fois, les cadeaux laissés, là, je... J'ai du mal à savoir c'est quoi. Une photo. Bon, ça, c'est la photo de Marie. Quel est le cadeau de laisser? Qu'est-ce qu'on nous a donné comme cadeau? J'arrive pas à... Ce serait ça?
Les cadeaux qu'on nous donne, des cigarettes, c'est ça? Non, les fleurs, la fleur, j'ai déjà examiné. Morceau du journal, j'ai déjà vu. Seigneur, j'ai du mal à savoir c'est quoi les cadeaux qu'ils nous filent, là. Sadie nous avait filé un cadeau, mais... je sais même pas ce que c'est. Et là, Suzanne, ça nous dit que ça nous a filé un cadeau, mais... Je vois pas, hein. Si, ouais, je l'ai faite. Et du coup, justement, je repense à ce que vous m'aviez dit à ce moment-là. En mode, c'est bien durant le chapitre 3 que ça dit pop. En mode un peu plus badass, quoi. Du coup, ouais, on l'a faite l'épisode dernier ou celui encore d'avant, je sais plus. Ça me fait penser qu'il faut que je fasse l'album photo, là, enfin l'album. Je foute mes photos sur Instagram, là. You know me, I never did much thinking. I know you like to hide behind the angry moron act, but it's a thin enough veneer. You say so. Time to start thinking, Arthur. Before it's too late. Ah ouais. Yep, vous avez loupé le passage. Après, vous pouvez toujours aller sur la rediff, hein. Osea et Bessie. C'est sa femme. Septembre 1883. Excellent. Excellent la date. Malin. Fait penser qu'il faut toujours qu'on trouve... son roman policier, là, lui, là. Toujours pas trouvé. Là, dans les objets que je dois trouver, j'ai le roman policier d'Osea. Et j'ai un truc spécial pour Ravière aussi, mais je sais pas ce que c'est. Bon, une énième mission de pêche. C'est avec qui, cette fois? Est-ce que c'est avec Ravier? Ah, voilà, je me souviens que je l'avais déjà faite, celle-là. Allons-y. Going fishing. The river's around here? Famous for the smallmouth bass. Fella I met showed me a couple spots. You want to join me? I can't fish with you. You're far too good. Oh, come on, come on. Hey, join me. I'll show you a couple of my tricks. There's a spot. Excellent. Too far from here that I've been wanting to try out. Ah, il est juste derrière, je me souviens. You will be too when you start pulling out smallmouth. Come on, the fish should be hungry for their breakfast. I thought you said it wasn't far. Too far to walk, though. Yeah, come on. Ha! Ah bon, le croix enfoncé pour rester à la même vitesse que son allié, ça c'est un truc totalement goldé, hein. Already seems long ago. How you feeling about everything? Been a strange couple of months. Hey, you know, I can't even return to my country because the price on my head is so big. This is nothing exactly new to me. And I'll always be loyal to Dutch. He sees the world the same as I do. If we have to fight, we fight. If we have to run, we'll run.
we must die, we'll die, but we'll stay free. And Dutch, you don't feel like, well, that he's doing things a little differently now? You saw what happened with that girl on the ferry. No fight, good or bad, is won without blood. I know that better than most. I think too many people are focusing on Dutch when they should be looking at themselves, what they could have done better. Maybe you're right. What's wrong, Arthur? Let's go, girl. Why are we stopped? Eh, vas-y, avance. Hey, wait up! Can we just ride? Oh, c'est inquiétant là. You take this spot, Arthur. I'm going to cast from over to the right there, so we're not in each other's way. Aïe aïe aïe. Allez, je vais là-bas, putain, je me souviens pas de... d'une pêche comme ça, moi. Et comment ça? Comment ça rattraper Ravier? Aïe aïe aïe, ça va me faire échec mission, on va devoir recommencer, mais bon. What the fuck, hein? C'est la troisième run, là, c'est celle où j'ai le plus de merde. J'ai jamais eu autant de merde sur ce jeu que celle-là, que sur cette run. C'est... What the fuck? Ok, follow me. On recommence d'ici en plus! C'est une dinguerie quand même! Sur la PS4, je me souviens d'aucun bug comme ça. La deuxième run, avec la PS5, je me souviens d'aucun bug comme ça non plus. Enfin, à mon souvenir, j'en avais peut-être eu un ou deux au total. Là, c'est... The fuck, hein. The price of my head is so big. This is nothing exactly... C'est vrai, hier, le jeu a crash carrément, même. He sees the world the same as I do. If we have to fight, we fight. If we have to run, we'll run. Ah, pourtant, sur ma deuxième run avec la PS5, je me souviens pas d'avoir eu des soucis comme ça. Ah, là, ce bug-là, l'impression que ça m'a donné, c'est... Il s'est arrêté devant les deux PNJ là, qui étaient devant nous. Ça a dû niquer son parcours au bazar, et du coup, il... Il est sorti de son cheval et... plus rien, l'autre. Très bizarre, hein. What they could have done better. Maybe you're right. We'll cut through to the right here. Ha! Eso. The other day, I rode down to the Lanahatchee River. I caught some beautiful steelhead trout. You mean the Lanahatchee River? No, mon souvenir, c'était quand même beaucoup moins loin. Hein. It runs right near here. Yeah, but it's pronounced Lanahatchee. Why is everything in English said differently than it's written? Make us feel stupid? Oh, you're asking the wrong feller. Wow, what in okay, hell? Okay, it's just down the hill here. Il est nous refaire bugger le ravien, lui, là. Ah, voilà, je me souviens du spot, là, comme ça, là. Et je pensais qu'il était vraiment pas très loin du camp, moi. Wow. Okay, come on. Let's go try our luck. Pretty country. Bah pourtant la dernière fois là quand j'avais refait Clou 2, je me souviens pas qu'on avait eu des soucis durant le let's play, hein. C'est peut-être c'est à force, hein.
Peut-être ça y est, la console a commencé à être moirtée, hein. Au bout de... plus de 3 ans. Ça fait pas trop de bruit. Un A380, le bazar. Ah ouais, Raiden, mais terrible. C'est quoi ce bazar? Qu'est-ce qu'il a le jeu? Oula oula. Ah. Putain, je me suis dit waouh, il allait encore y avoir une dinguerie là. Sort of like staring at the sky. It's your bait, I think. Come use some of mine. No, it's not the bait. It's me. I've always been a poor fisherman, especially compared with you and Jose. Just try some of my here. Crickets. Thanks. Okay, let's try for another. I was thinking, you remember that stagecoach we held up in Nevada? Yeah, it was a tip from that crooked lawman in Reno. We open the door and it's full of women and children. Rich, but women and children. So we let it go and read in the newspaper that the O'Driscolls robbed and killed them all the next day further down the trail. Yep. You know, way back in the day, Tom O'Driscoll and Dutch were sort of friends. Friends? Well, not friends, but they had an understanding. Then Combs Mean Street got meaner, and Dutch wanted to try to live a different way. And now, here we are. Another one. Don't rush it, Arthur. He's small, but might make a nice meal. Keeping you. Let's try for one more and then head back. What do you say? That's fine with me. Slowly, this is an angry one.
Look at that. That's a good-looking fish. Well done. Good job, Archer. Not bad, you see? It's the bait. It ain't just the bait. Merde, alors. You want to join me, or you keep trying for these bastards? Yeah, I'll stay. No problem. I'll see you back there. Bah, surtout chasser, quoi. Ok. Il nous a filé un bon spot ici, là, c'était où? Ok. C'est là. Il y a quoi dans cette maison, là? Il y a des maisons ici. Oh. Un magasin de pêche ici. Il dit biche, bison et raton laveur. Un raton laveur, ce serait où ça? Je crois que j'allais voir sur le net, sur les internets. En tout cas, biche ici. Et un feu de camp juste à côté en plus. Parfait. Merde, tu veux pas le... Ok. Dis-moi que tu as 3 étoiles toi. 9. Terrible. Ah, il y a un truc ici. Putain, j'avais du rouge. Là-bas. Vas-y, ôter la biche 3 étoiles ici, là. Oh. Putain. Une à 3. Pourquoi? Regardez les.
Les étoiles étaient totalement fucked up. Un coup c'était 3 étoiles, un coup c'est 2 étoiles. The fuck. There we go. Une dinde, rien à foutre. Mais c'est pas vrai. Non mais c'est pas moi. Oui. Et ben voilà, messire, c'était pas compliqué. Une à trois, c'est pas compliqué. Easy. Calme-toi. Une flèche à petit gibier. T'en bouge pas de là, toi. T'étais où, toi, le crotal de tes morts? Il est là. Non. Eh ben nickel. Ok, ok, Simer, Silver pour les ratons laveurs. On va aller voir ça après. Là, du coup, on aura un serpent 3, la biche 3, et un raton laveur à l'endroit où vous nous avez indiqué. Il faut aussi un bison. Des joncs communs, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai fabriqué des objets pour le cheval. C'est dingue que tu tues le siffle et le cheval, il vient pas vraiment à côté de toi. Il s'arrête à 5 mètres. Donc moi, j'en ai besoin à côté. Comme ça, moi, j'ai moins à parcourir avec tout ce qu'on va mettre dessus. Mais il veut pas, l'autre. Starbri, il est intriguant là-bas, là.
Il y a un gros feu juste à côté. Wow, easy. Antilope. Qu'un fusil pour tuer l'animal proprement. T'inquiète pas, mon copain. Il est où l'antilope 3 là, messire? Huche dans sa mère! C'était pas assez. On va pas mis dans la tête. Je dirais que c'est un arbre où est tombé le tonnerre la nuit. Tu prends l'orage. Ah. Sorry. Là, c'est un con. Okay, there. Entre le R et le H. Voyons voir. Ah ok, par là. On ira voir ça. Hein. Là où on a le bison qui est pas loin. Merde, ils sont en train de foutre le feu chez eux, là, messieurs. Ah. Ah. Merde. Ah mais c'est en train de tout gagner là. On peut loot ou pas? Ah ouais non, ils sont cramés, on peut plus loot. Mais il y a une arme. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, cassons-nous. Merde. Ah mais les corps ils ont disparu carrément. Ah non c'est bon. Ah mais on peut pas les fouiller là. Ah ouais non on peut pas. Hein. Aïe aïe aïe. Oh merde. Quel con. Bon revenez là. On va aller déposer ça au campement je pense. Le peu qu'on a. Que tu vas commencer à faire nuit là en fait là.
Le bison, je sais pas si... Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ce truc? Carrément, ça à la mode. J'ai même pas fait gaffe. Beaucoup. Ah oui, c'est le truc chelou qu'on avait découvert. Un blaireau. Il y a un arbre là-bas. Très bizarre. Bah écoutez, au pire, je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour cet épisode. Hein. Continuera l'aventure, la chasse au prochain. Ciao.